Yo les gens, aujourd'hui une vidéo VR et je pense que vous l'avez vu sur l'écran de chargement. Aujourd'hui on teste Star Wars, le premier épisode. Je dois avouer qu'on le met devant tout de suite quoi. Là on est plongé directement au cœur de l'action. Et ça, c'est plutôt cool. All right, hyperdrive controls are active. Make the jump. Oh la vache. Push that handle on your right, Captain. Ah, les effets sont chouettes. Nice one, Captain. Ah, that never gets old. As soon as we offload these spice crates at Shadow Market, we are sitting pretty. You know, maybe then you can make those repulsor lift upgrades you've been promising me forever. You know, and forever and ever. You know, it looks like we're gonna be in hyperspace for a while here, so feel free to go back and check our loot. You name it. Sky's the limit. Donc là, voilà, c'est un peu une sorte de tuto hein, en fait, pour m'expliquer un peu comment fonctionne le jeu. Donc elle me dit d'aller voir derrière, d'aller chercher, il me semble quelque chose, d'activer un bouton, je sais pas trop. Ok, on a le vaisseau. Ah, on va peut-être devoir faire un check-out du vaisseau. Ouais. Oh, scrag. Looks like we took some damage back there. Well, I try to reroute the power. Why don't you go ahead and scan the ship? Ok, je fais tourner la molette, on va checker tout ça. Well, looks like the main sensor antenna's been damaged. All right. Let's switch to backup. Pour l'instant ça va, c'est pas trop compliqué. On fait qu'appuyer sur tout ce qui est vert. Ça soit appuyer, soit faire tourner. Donc ça va, pour l'instant j'arrive. On peut réussir à suivre. Ah, là, apparemment il y a un problème. Ouais. Là, c'est offline apparemment. Ah, tu peux le réparer? Vas-y, j'appuie sur le vert. Alors, ça dit quoi? Ça peut fonctionner? Non, il y a un souci. Let's go check it out. Ok, faut revenir là-bas. Les déplacements comme ça. Vas-y, dis-moi ce qu'on fait. What in the galaxy? That's impossible. Something's pulled us out of hyperspace and put us down in the Atreides sector. We're in the outer rim. C'est énorme. On a une espèce de sensation de grandeur. Oh, c'est dingue. That doesn't look like any Star Destroyer that I've ever seen. How did they snag us? This is Admiral Carius of the Galactic Empire. Surrender control of your ship immediately. This is ZOE3, first mate on the Windfall. Zoe to my friends. There must be some mistake. Admiral, the Windfall is a humble salvage vessel. Anything short of immediate compliance will result in your destruction. My bad, Admiral. Sorry about that. Slaving our ship's guidance to your Imperial control now. Ah, scrag. We didn't do anything that bad. Whoa! Whoa, that looks like... J'ai l'impression qu'on nous en veut quand même, hein. Lucifer is a mining planet. Why are the Imperials taking us there? Sur le temps là, la vitesse qu'on prend, hein. On dépend d'excès de vitesse. Wow. Ah ouais.
What's the Empire even doing on a backwater planet like this? On a un petit peu escorté là, moi j'aime pas trop ça là. I got a bad feeling about this, Captain. Ce que j'ai compris, elle a un mauvais feeling. Bah écoute, moi aussi, hein, j'ai un peu un mauvais feeling là. Parce qu'avec tous les Stormtroopers qu'on a en face, à mon avis, ça pue du cul. Bon, visiblement, on a été capturé, hein, je pense. On a été capturé. Là, on a un comité d'accueil qui m'a l'air fort sympathique. On va bien voir ce qu'on nous demande. You know, I'm getting the feeling they're onto us. I'll hide the credit chips. You wipe the ship's network. Okay. Ça tape à la porte quand même, hein. Tu cherches un gun, c'est ça? Je sais pas si on est en position de force, mais bon. Ah, c'est rouge, madame, je suis désolé. Non, c'est pas moi. Ah non, non. Oh, ah non, j'ouvrirai pas la porte. Just a moment. Ok. Visiblement. Hop, 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 hop. C'est bon, je bouge pas, je bouge pas. Et oh, casse pas la table comme ça. Oh non! Oh non. Oh. Ok. Je pense que le petit droïde il est pas vraiment mort. Hein. Enfin, j'espère. Ce serait dommage, je l'aimais bien. Ok, on va se faire checker. My name is Admiral Carius. In a moment, ça, c'est pour moi, ça. Oui, salut, Carius. Lord of this monolith will give you a task at which you will undoubtedly fail. Gozy, gozy. Do not anger. Gozy, gozy. I loathe cleaning these cells after interrogation. Cooperate, and I promise you a merciful death when he's through with you. You are not the first candidate to fall under his scrutiny, and you will likely not be the last. Il est là. Il est là, le petit Dark Vador. Enfin, petit. J'ai l'impression qu'il vient pour moi. Non, non, mais moi j'ai rien fait, hein. J'ai rien fait, monsieur. Oh la vache, quoi, il paraît super grand. You are required to perform one simple task. Je dois effectuer une tâche qui est assez simple apparemment. Open this configuration and I will spare your life. Ok, donc si je veux rester en vie, faut que j'essaye d'ouvrir ce truc. Bien, merci monsieur. Pouah. Mais bon. C'est marrant. By the core. Petite lumière. Voilà, je l'ai ouvert, monsieur. Venez. Non. C'est stylé, quand même. Ah bah oui. Toi tu sais faire ça. Bon maintenant tu me laisses en vie, hein. Tu m'as dit que tu me laissais en vie si je t'ouvrais le truc là. Ok. Il dit qu'il revient me voir rapidement. Hey. Ah bah ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 j'arrive. Salut.
someone of your bloodline. What bloodline? What are you talking about? Also, please introduce yourself. Mais oui, c'est toi, mon ami. Violet Fulma, lore master of my cavern clan. Uh-huh. And why should we trust you? Do you want to get out of here? Then listen. Now that Vader's found you, he's in reach of enormous power. He means to conquer death itself. Countless lives are in danger, including your own. You must escape this planet. Yeah, way ahead of you on that, lore master. Except I can't reach it. Bon, apparemment j'ai donné le petit artefact, c'était pas une bonne idée. Faut que je réussisse à m'évader ici, et je pense que je peux les aider. Alors là, il me donne ce petit objet. Ok. Chouette. Il me dit que je dois insérer cet objet dans l'axe qu'il y a là. Alors je dirais qu'il va être là. Parfait. Oups. Ça a pété. T'inquiète, je gère. Ça, ça sert à rien. Je peux appuyer sur le petit bouton. Ah, ok. Hop, ça aussi, ça sert à rien. Je vais ranger ça. Hop, on va arracher le câble qui sert à rien. Le papier. Ok, faut tirer le fusible, le mettre là. Ça passe vert. Vous pouvez sortir, les gars? Oui. Wow, you did it, Captain. Thanks, ouais, je sais. Violet, was it? I was technically not listening. The door is activated. Exactement, merci, monsieur. Okay, no offense, but this is not our first jailbreak. Step aside, please, and keep quiet. I can simulate the Admiral's voice. Ah, mon petit droïde, il connaît bien la... Voice ID, Admiral Cable Carius. Ah d'accord, il se fait passer pour quelqu'un pour pouvoir se faire ouvrir. Bien joué, bien joué. Allez, prenons ce chemin. Bon, j'aurais préféré un mode de déplacement, pas forcément en téléportation, mais bon. Ah, on a le même système que tout à l'heure. Alors, je pense qu'il va falloir que je reprenne ça. On va mettre là-dedans. Ah, parfait. Eh oui, je sais que c'est parfait. Ok. Non, il se passe toujours rien. Petit bouton rouge. Good, good, good. Ah, on va monter le volume. I think we may make it. Non, non. Bien joué, les gars. Allez, maintenant t'as un flingue, toi. Moi, je le veux aussi. C'est bon, je peux venir, je suis là. Eh ben, c'est parti, on va monter. Et je vais arrêter là pour cette première partie sur le jeu Star Wars sur l'Oculus Quest. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous dis ciao, à la prochaine.